Depuis autant de voix ça, ou pas même besoin hésiter ni poser question. C'est canal Paula qui entre la caou, tvlakayhaiti.com. A kanpil plaisir, ke content nous rejoignons nous dans vidéo ça mesdames et messieurs. Et là nous disons que nous content, que nous vraiment content parce que nous venons avec en pile nouvelles informations pour vous. Et bien sous gros travail que la popo a mené dans pays là. Ben mesdames et messieurs, nous on a parlé là gayen encore une fois, 3 soldats, 400 maozo qui ont même tombé mortellement blessés. Et c'est mot ça qui en pile monde ou bien phrase ça toujours aimé la police utiliser surtout dans des publications sur Facebook. Et la police d'où un soldat 400 maozo, un soldat qui l'a appelé un soldat ISO mortellement blessé. Et bien, et phrase ça fait que nous battre parce que et autant que bandit a tombé, c'est autant que. Eh bien, nous au moins avions un petit souffle en bas, mais et volons assassin ça ou dans le pays ça. Gorel dans le Karade, côté bandit a assassiné pour pipiti 12 et jeunes garçons mêlés avec jeunes filles. Eh bien, nouvelle ça, mesdames et messieurs, le parfait et pays a bien du tout. Là où des jeunes garçons, des jeunes filles qui ont même tombé en bas, balle bandit comme ça. Mais quand ces bandits qui ont tombé, eh bien, nous battons bravo pour la police. Mais quand ces jeunes qui ont tombé comme ça, eh bien, et donc, qui coup ça, ou pas fait nous plaisir parce que jeunes, yo vraiment, ces jours-ci, yo victimes en pile en bas mes bandits, yo victimes en bas mes assassins, yo victimes en bas mes nègres politiques, yo victimes en bas mes. Et donc, les nègres exam, on dirait que jeunesse la vie vraiment pas utile en hein, encore devant nègres exam parce que nègres touye yo lè ou vle, yo tire balle sur moun lè ou vle. Haïti vraiment, son bagay grave. L'autre information nous pote pour vous, de blozay pété dans ville Saint-Marc côté. Yo ta mette en bas code. Eh bien, commissaire gouvernement et donc ville Saint-Marc là, eh bien monsieur pourquoi n'a parlé là et Marie Red en dans DCPJ yo jeune monsieur impliqué dans divers mauvais actes, dans divers et donc dossier louche qui passait donc dans département Latibonite là, eh bien commissaire pas innocent, yo t'est arrêté un gros bandit. Eh bien c'est commissaire ça lui-même qui t'est fait libérer bandit ça. L'autre information encore nous porter pour la dans vidéo ça qui est vraiment a tourmenté en pile monde dans moment n'a parlé là parce que après gros la pluie ta fin envahi donc le pays d'Haïti là en pile côté et donc c'est vraiment inondation ou moto a passé descend ou machine et donc qui plein de l'eau qui donc bagala vraiment grave là pour moun ki Haïti yo. Et bien mesdames, mademoiselles et messieurs, TV Lakay ap di nou vraiment prudent parce que pays a la insécurité on bon la pli ap tombe kay ap inonde yon l'autre bord qui donc vraiment problème yo multiplié. En tout cas nous va invite ou découvrir tout en détail en dans vidéo ça. Bon écoute tout moun, n'ap tourne juste ça yo barré 2000 nan question corruption frère. N'a pas entré dans le dossier corruption depuis et dans le commencement de la semaine qui s'est passé à Noé, unité lutte et contre et corruption qui est entre Ludwig et Joseph et Nathalie et qui commençait à attaquer une cérémonie et qui t'a occupé poste et direction en de pays, l'un prend le cas et pour ancien directeur général PNHA et Léon Charles, yon moun tout pour Margaret et Fortuné, non état cité dans scandale corruption en de pays, et bien ULCC est parité là, là li est plus loin et li est touché appareil et judiciaire là, côté d'après. ULCC juge Daniel et Régis t'a payé pour le capable libérer yon présumé et volé et machine dans ville et Gonaïve et Jimmy et département de Tibonita et semblerait-il ni commissaire gouvernement ni petit commissaire gouvernement ni avocat et ni juge monsieur Sao pas régler rien qui vient pour avec la loi. Tout récemment là nous avons écouté yon petit et commissaire gouvernement t'a libéré yon et bandit côté la police était arrêté avec yon série marchandise et lité sur volé yon série et médicaments l'état proté et na base et grand griffe yon façon pour ta permettre avec et bandit qui blessé dans cadre affrontement avec la police prochain et ancien et substitut commissaire et gouvernement ça qui t'a libéré et jodi là
nous et d'après ULCC juge et Daniel Eli même ta procédé avec une libération yon moun ki te joine arrestation et pour causer et voler machine dans ville Gonaïve et on l'autre bord et nous côté et plusieurs directeurs et lycées et tankou et lycée et Joseph et Pierre Subi Maïsad et puis lycée et Chalmay et Peralta dans ville Inche et ben n'appelé de Sadiak et Jean-Jacques et puis et Georges et Wanel j'ai du lien et tout de moun sa ta concerné par résumé exécutif un rapport qui est publié par unité lutte contre et corruption sous gestion calamiteuse et lycée et Joseph Pierre Sully selon ULCC yon dénonciation état rivé joignio dans mois de mai dans l'année 2021 passé à compte et maître Sadiak et Jean-Jacques directeur et lycée Joseph et Pierre Sully et Maïsad l'état concerné pour détournement et matériel informatique qui était appartient avec lycée et Sila et c'est ça qui t'a poussé unité lutte contre et corruption conduit yon enquête yon façon pour recueillir information sous gestion et dernier ça notre tête institution dans ça ULCC affirmé et dans la police que maître Sadiak et Jean-Jacques t'a effectivement mal administré ressources et lycéens pendant et trois l'année passée et notre pays comme étant et directeur et trois et boîtier appartenant avec et lycée Joseph et Pierre Sully Maïsad tabelle et bien et retrouvé dans local et lycée et Chalmay Peralta dans ville Inchan date 7 février dans l'année 2022 par juge et suppléant tribunal et de paix et ville Inchan et bien et jodi là nous corruption et tout côté même directeur et l'école et l'état yo a fait et corruption yo a volé matériel l'état et matériel ça qui volait par et directeur et c'est là et les mêmes permettre nous dit voler nous pas parler n'a pas les gros français et parce que aujourd'hui là nous connaît et pour capable et blanchir et criminel ça parce que nous une population majorité c'est analphabète yo pas connait parler français il y a un pile là-dedans qui pas connait ça qui lettre c'est-à-dire yo pas connait ni écrit et demi yo d'après dit bagala gens que il y a yo barré deux directeurs et lycée et non causé et détournement pour pas dire non causé et voler matériel qui était là et policier Maïsad n'a pas les deux et matériel ça qui t'a pas utilisé pour élever yon façon pour permettre et surcoût informatique dans lycée et bien directeur ça qui passé environ 3 l'année dans tête lycée Maïsad là ça et voler matériel et puis et li revenu avec yon l'autre et collègue li en même temps et qui c'est yon responsable et l'école dans ville Inche. Mesdames, messieurs, moi je dis à la nous sorti et nous camper son en glam beaucoup qu'à comprendre. Moi équipe mon camp live en bas live là. Mon yo excusez-moi, mon yo dit monsieur yo trouvé et juste à l'aide en pile. C'est pas moi qui dis non, il y a gardé juge yo dit get ça monsieur semble c'est grain ni prend c'est pilule li prend pour l'aide. Bon, nous pas rentrer dans détail ça mais c'est vrai que monsieur pas une belle garçon et mesdames, messieurs, n'a gardé vraiment garder marche juge là mais en tout cas n'a pas obligé quitter ça nous-mêmes. Et oui, Salomon t'a pas juste tomber. Bon, je me suis en place, qu'on y a là, et je ne vais pas oublier le président Jovenel Moïse. Lorsque je t'ai dit, il fait le nommer 58 juges. Le président de l'État, je t'ai dit comment faire le nommer, parce que le président n'a pas fait une enquête. Il y a des responsables qui là, qui ont parlé, il y a un responsable judiciaire au tribunal qui vient et dit au président, mais nous avons juste que nous avons, et le président lui a fait suivi. Depuis le président de l'État, il fait le nommer 58 juges. Et nous, Ariel Mina, quoi? C'est quoi qui m'a dit que je mettais des oui, et n'a fait dans sa place avec Bette arrivé Bette dans là avec et contrôle judiciaire là mais tout juste ça et mais tout yo rentré en système judiciaire et ça fait ouais tout problème ça et ça pose plus gros problème nous dans pays d'Azimi les vitamines plus mal ces problèmes et judiciaire système judiciaire dès pas fini soyez là oui arrivé Bette dans là c'est ça et fini dans sa place tout à fait là pour présenter Moïse à la justice yo obligé crasé après judiciaire pour grande raison pour président Jovenel Moïse par justice et Dieu. Oui, et n'a pas avancé, mesdames, messieurs, édition spéciale quand même, Anderson. Eh bien, on nous parle directement, mesdames, messieurs, question, gros massacre qui fait hier soir.
et nous avons pour qu'aucune personne qui dénonce le non niveau de lui dénoncer là faut nous parler sur ça. Oui, et Jimmy n'a pas entré avec un dossier sécurité, nous et population captive dans zone Ekara 2 par suspend et compte cadavre dans dernier jour ça au côté criminel sans panilo pas suspend mettre deuil dans mi-temps et population haïtienne dans la nuit samedi 27 d'août 2022 d'après information et nous gagnent pour pipiti et 12 jeunes garçons qui t'a perdu et la vie en babal et bandit et personne n'a pas arrivé identifié et nous pas fin de bandit personne pas arrivé identifié tout parce que il y a témoin oculaire qui fait connaître que c'est un bandit qui t'a véhiculé dans et qui t'a circulé et dans une machine et grande et Vitara deux couleurs et gris mais pas bien le tantôt et puis tu prends numéro et plaque là et ben parmi et jeune garçon ça et qui mouri n'a cité non et quelques zones ou gagné en dans et village et Mandela il y a environ deux jeunes garçons qui t'a perdu la vie au village Mandela tout récemment il y a six jeunes garçons qui t'a tombé en babal moun pas arrivé identifié et nous connaît en pile cause et t'a parlé et non et ancien et première ancienne et première dame et n'a parlé de madame Mateli et lui-même et non et t'a cité comme quoi c'est lui-même qui est à héroïque et bandit et vient attaquer Mounio parce qu'il y a un espace qui te prend en dedans pour capable de faire mourir et population qui est lagué aux abois qui pas de côté pour dormir t'a monté dans espace ça yo construit écouter et pour capable dormir et construction pas même fin trop correct tout et du mais et c'est avec les planches c'est avec tôle yo construit et puis l'autre prend et zone et l'église Makoa toujours dans même et ligne et côté et gain pour petit quatre jeunes garçons qui t'a est tombé en babal et bandit dans même et la nuit samedi et 27 et d'août là et ben quatre jeunes garçons ça ont mouri dans zone et entre un hôtel qui est l'hôtel et cache-cache et d'après information et nous t'a gagné de hôtel ça c'est un hôtel à côté en pile et deal et qu'on fait là-dedans et deal ça assez souvent et au fait pas et jamaïcain et nous pas jamais suspendre et dénoncer jamaïcain ça autour qui rentre en dans pays en vienne mettre et la trouble et une façon et pour et capable et kembe touriste yo dehors pour pas viser entrer en dans et pays d'Haïti et yon l'autre côté nous gagne zone nous capable aller et dans courir mais gagne deux jeunes garçons qui t'a perdu et la vie et pour nous citer et ça seulement et bien Jimmy et dans la nuit samedi et 27 et d'août là et dans niveau et Karadé et pour ne pas dire entre commune Delma et commune Tabar il y a pour petit 12 jeunes garçons qui t'a tombé en babala individu personne pas arrivé identifié. Voilà mesdames messieurs nous attendez c'est quand même très grave mais non pas prêter là et nous apprendre j'en ai regardé sous photo ça là et Anderson photo ça quand même très grave. Et nous pas montrer lui dans dimension que nous t'a de montrer parce que nous gata modifier pour vous. Et bien semble-t-il que yon ancien candidat comme magistrat et bien semble-t-il qu'il tombé là monsieur fait accident monsieur mouri mal et Anderson. Oui et Jimmy n'a pas possible avec dossier sécurité et routière et bien sécurité routière en da pays et nous représentant l'ONU qui t'a échoué n'a posé ça et captanté et justifié et cette tour et ainsi d'après information qui nous est venue nous ancien candidat et pour poste magistrat et Caracola et Vaval qui c'est Axel Zeter et Sonapi dans PIC qui c'est PAC industriel Caracol et Nord-Ouest février pour pays et sa chapeau selon tout dernier détail que nous gagnons c'est à yon trelé et qui passe prend là pendant l'été et dans machine et d'après l'autre information c'est yon deux qui était dans machine l'autre là a prend soin l'hôpital est dans moment n'a parlé mais directeur est Sonapi et PAC industriel Caracola li fait wel et pour pays et sans chapeau après très les ça ta fin passé et sous machine li était et là-dedans voilà mesdames et messieurs n'a regardé machine là vraiment machine vraiment en mauvais condition et n'a pas rappelé que c'était un candidat pour magistrat et qui mourit là évidemment nous gagne image là pense c'est pas nécessaire pour montrer dans qui état que futur candidat ça est lié mesdames messieurs c'est pas nécessaire mais c'est quand même très grave bon là il y a l'autre grand pile bagarre qui a parlé il y a monde qui dit que est-ce que mystiquement c'est vrai ou vrai est-ce que c'est l'autre monde qui attaque est-ce que tout simplement c'est un accident fait j'en ai un accident fait là nous pas connait mais l'essentiel c'est sur certains gars un monde qui tombé là frère
Et nous avons info, mais ça c'est plus tard. Plus tard, dans le cadre de Yuri Latortu, nous avons justement des dénonciations qui a fait sur lui. Nous avons quitté ça pour plus tard. Mais Anderson, on nous avance dans le cadre de base 400 Mauzo. Nous avons poursuivi avec l'information forces et biologiques qui continuent et traquer bandit à examen qui par suspend et mettait la troublée dans tout un pays, dans la ville. Si Guava pour éviter trois présumés et bandits joints à l'arrestation dans la journée, vendredi 26 août 2022, dont et trois individus, c'est Salomon, Valentin et Jean, et puis Jean-Riniel et Binèche avec lui, Luxon, Yota joint à l'arrestation dans la zone et Delata, 7e section et Platon, et selon information qui partagée par le journaliste Guito et Mathieu et membres et la population a remarqué visage et nouveau Sao et dans la zone et bien et population qui entre non situation et panique à côté et quelques membres dans la section et communale a informé autorité sous présence et nouvelle et tête Sao dans l'entourage en réaction agent et de l'audio a mené une opération et puis procédé avec l'arrestation trois individus ont enquête qui t'a l'ouvri et dans niveau commissariat et puis Bois Blanc concernant trois individus pour moment n'a pas lié à yo gardé à vue en attendant et suite et procédural et d'après tout les détails et nous t'a gagné trois individus ça qui arrivaient arrêté et dans zone et de la système et section Platon c'est trois individus dans base et 400 et Mauzo cap échappé qui était pour et cap et courir et yon façon pour capable échapper pour lui yon et pour et pas tomber en bavé ou agent policier et ben même dans nous déjà lancé à l'état côté et divers bandits dans base 400 Mauzo a essayé échapper pour lui ça et cap tenté rentrer en République dominicaine sa capacité à réfugier dans vite bien balai tout récemment nous avons gain plusieurs qui t'a joint arrestation c'était pareil tout pour zilé la gonave et jodi à la et nous pour ne pas dire dans journée et vendredi 26 d'août passé à la police dans ville et Tigouave plus particulièrement dans et 7e section et Dalata rivé et posé et la patte sous trois présumés et bandits qui réclamaient comme étant membre actif et gang 400 et Mauzo. Oui, et pendant ce temps, mesdames et messieurs, m'a demandé nous, s'il vous plaît, pour courir les noms, parce que là, nous connaissons nous-mêmes, nous avons une actualité payante. Je nous dis oui, et dans le cadre de Saint-Marc, nous apprenons qui inondé après la pluie qui est tombée hier soir. Évidemment, nous connaissons une préparation qui a fait Kounia là pour voir comment nous sommes capables d'aider. Mais attention, dans le cadre de Port-au-Prince sous gros menace, et pendant que nous parlons là, faut nous parler sur ça. Et oui, Anderson, on avance sur ça. Oui, c'est du même pour nous prendre information. Nous avons parlé de ville de Saint-Marc, nous avons profité de parler de commune et Pétionville, puis particulièrement les zones de l'eau, population ça, nous avons qui l'a dit aux abois, population ça, nous avons magistrat et commune Pétionville, Normi et Kenormil, Kessel qui parfouni et j'ai gardé au côté depuis plusieurs jours, à chaque fois, la pluie est tombée, Kaimounio envahi avec l'eau, yo pa gen, yo pa kon ki sen, pou yo rele et moun sa yo, yo pa gen et côté, pou yo dormi à chaque fois, la pluie est à fin passé, et je dis à moi-même, avec collaborateurs et l'eau.